Bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce débat politique. Ce soir, nous partons du côté de Marie-Galante avec la commune de Saint-Louis. 6 candidats en plateau. Liliane Passé-Coutrin, Camille Pélage, Jean-Luc Nago, Martyr Nago, François Navis et Enor Zigo. Madame, messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Voilà donc juste un bref retour sur 2014 avec deux chiffres. Jacques Cornano était sorti en tête de ces élections municipales et communautaires, donc avec 61,77%, et Camille Pélage, 31,60%. Ces deux chiffres nous renseigne, mais sans plus, puisque le maire sortant, en tout cas Jacques Cornano, ne se présente pas à cette élection. Par contre, Camille Pélage est sur ce plateau et nous aurons à faire un petit tour d'horizon avec nos invités. Alors, qui porte le bilan de cette commune? Alors, je ne sais pas trop, puisque nous avons ici une représentation, on va dire, du conseil municipal. Mais il y a vous, Martyr Nago, vous êtes, vous étiez adjoint au maire, Jacques Cornano. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ce bilan vous appartient? Je dirais bonjour tout d'abord à la population saint-louisienne et également à la population Marie-Galante tout entière. C'est vrai que j'ai été de la mandature, je suis de la mandature de Jacques Cornano, mais je n'étais pas le maire. Donc je peux survoler le bilan, mais je ne peux pas le cautionner, je ne peux pas l'approuver, je ne peux pas... Donc il y a des points de ce bilan qui vous dérangent? Forcément. Alors, qu'est-ce qui vous gêne dans ce bilan? Non, je crois qu'une commune est administrée par un certain nombre d'élus, de la majorité et de la minorité. Je crois qu'on a fait des bonnes choses, mais il y a des choses, des points d'ombre qui méritaient d'être éclaircis. C'était des points d'achoppement entre vous et Jacques Cornano, c'est non, ça? Non, entre Jacques Cornano et moi, on n'a pas eu de soucis majeurs, mais il y a des points d'ordre qu'il fallait mettre, je l'ai posé. Alors, dites-nous, pour vous, ce qui a été en termes de développement de la commune de Saint-Louis et ce qui n'a pas été? Alors, je suis arrivé en 2014, les élections de 2014, où on a... Comme vous avez si bien dit, hein, 77%, nous sommes arrivés largement en tête. Donc, avec une majorité de 19 élus, où la première année, il était question de s'installer et aussi projeter un développement pour la commune, tant qu'au niveau social et économique. Donc, on a fait des belles choses, mais il y a des choses qui méritent d'être poursuivies. Et donc, je suis candidat pour améliorer propulser un développement sur le territoire. Alors, dites-nous quelles sont ces belles choses. Faites-nous partager ce développement. C'est vrai qu'au niveau de la municipalité, on a... la résorption de l'habitat insalubre. On a fait des progrès sur cela. On a amélioré un certain nombre d'infrastructures sur le territoire. Il reste beaucoup à faire pour la jeunesse. On a tissé un lien étroit avec nos aînés en matière de relationnel et en matière de développement également. Et dans cette mandature, on a eu la construction de l'EHPAD, qui est un établissement public à Saint-Louis. C'est vrai qu'il reste beaucoup à faire, mais on a fait des choses. Nous reviendrons sur ce qui reste à faire. Si vous aviez les mains libres, est-ce que vous auriez fait mieux? Est-ce que vous auriez fait plus? Il y a beaucoup de choses à améliorer.
La première des choses, je crois que il faut restructurer l'administration communale. On va revenir sur les propositions, mais c'est juste pour savoir si vous étiez vraiment à l'aise au sein de cette majorité. Est-ce que vous auriez fait mieux ou plus? Ah oui, j'étais parfaitement à l'aise parce que j'ai eu à administrer pendant un certain temps la municipalité. J'ai créé un lien de concertation, d'échange avec le personnel technique, le personnel administratif. J'ai eu l'occasion de comprendre l'administration communale. Je tiens à remercier le maire par rapport à mon engagement qu'il a porté à mon nom, d'être l'élu qui a compris qu'il fallait mettre en place un schéma de restructuration d'un certain nombre de choses. Et je crois que je suis en capacité de continuer, d'améliorer ce qui n'a pas. Ça veut dire qu'il vous soutient pour cette élection? Non, pas du tout, parce que je ne lui ai pas parlé de ma candidature et je suis candidat sans soutien du maire. Vous avez dit qu'il vous fait confiance. Donc, quand on fait confiance à quelqu'un, on l'accompagne jusqu'au bout? Oh oui, c'est vrai que la position du maire, je partage sa position parce que en 2017, j'ai été celui qui n'a pas approuvé un certain nombre de choses lors de la grande discussion du DIVD. Et je crois que là, ça a accueilli quelques... Il ne l'a pas digéré. Il ne l'a pas digéré, mais c'était de bon augure, hein, parce que avant tout, je suis toujours agriculteur et je devais défendre la profession agricole bec et ongles, quoi. Merci. Je vais reprendre du côté de Madame Passé-Coutrin. Madame Passé-Coutrin, alors de bonnes choses ont été faites selon Monsieur Nago, d'autres pas. Quelle est votre vision du territoire, du développement du territoire? Alors, bonjour à l'ensemble des Saint-Louisiens. Bonjour Marie Galante. Donc, comme vous m'avez posé la question, selon ce que j'ai entendu dire de Martyr, je crois qu'il y a eu des choses qui ont été quand même réalisées, mais je pense que quand même Saint-Louis souffre énormément de ce manque de dynamisme. Je pense qu'ils n'ont pas mis le point où il fallait. Et on assiste actuellement à cet exode rural où les jeunes ne s'y retrouvent pas, puisque ce n'est pas pour porter de la critique sur l'ancienne mandature ou sur la gestion communale, mais quand même il y a un constat. Il y a un constat et ce constat, il en résulte que les Saint-Louisiens ne sont pas forcément fiers actuellement de leur Saint-Louis. Saint-Louis qu'on connaissait, c'est Saint-Louis qui vivait au temps où il y avait des animations, où il y avait aussi une prise en charge aussi des personnes âgées, une prise en charge de certains problèmes. Et jusqu'à maintenant, s'il y a autant de candidats, ça veut dire que le travail n'a pas été correctement réalisé. Donc c'est pour ça que nous propulsons notre équipe, et notamment moi qui suis leader et candidat tête de liste. On se dit que par rapport à toutes ces lacunes, à toutes ces problématiques qu'ils ont laissées de côté, ben, nous pouvons actuellement pallier parce que nous sommes déjà au travail avec les associations, les artisans, les commerçants, les socioprofessionnels, les marins-pêcheurs, les transporteurs. Et c'est tous ces sujets que nous abordons lors des thématiques et des réunions de quartier. Alors c'est vrai, vous dites si Saint-Louis s'était développé de manière cohérente, il n'y aurait pas eu autant de candidats, mais n'est-ce pas parce que le maire Jacques Cornano ne se représente pas que vous vous êtes dit la porte est ouverte, il y a une possibilité, nous y allons? Ben, écoutez, chacun, je pense que c'est un des bases idées. Les candidats apportent aussi à leur manière des solutions, mais en fait, il faut se dire quelque chose. Actuellement, Saint-Louis a besoin de plus de proximité, plus d'écoute, plus d'échange.
Il y a beaucoup de candidats, mais je ne pense pas qu'ils soient tous adaptés par rapport au développement du territoire. Ils ne sont pas forcément à même de prendre en charge des problématiques, la prise en charge des dossiers, la prise en charge de cette jeunesse, cette déshérence. Est-ce que là, vous parlez de leur incompétence ? Je ne dirais pas ceci. Je dirais tout simplement, c'est que je pense qu'ils sont pas, ils sont tout à fait, ils sont pas forcément. Vous avez dit pas adaptés à la situation. Voilà, aux problématiques, parce que ce qui nous en résulte, en fait, ce qui nous amène sur ces problématiques, c'est qu'on se rend compte qu'ils n'ont pas d'écoute. Cette population, elle n'est pas écoutée. On peut leur projeter des choses, mais s'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de proximité. C'est vrai que la théorie, c'est vite fait. Hein. On peut écrire des choses. Donc vous les connaissez bien, ceux qui sont sur le plateau, et vous dites non, ça ne peut pas correspondre, ça ne peut pas coller pour... Mais il y a certains qui ont déjà essayé, ça a déjà échoué. Il y a certains qui ont déjà essayé, ça a déjà échoué, parce que je pense que leur feuille de route ne correspond pas forcément au Marie-Galantais. Est-ce que cette feuille de route n'a pas changé? Comment? Est-ce que cette feuille de route n'a pas changé? Lorsque je constate que c'est encore une reproduction, je ne pense pas. Vous avez pris le temps d'analyser, le temps de regarder. Voilà, ça fait 5 ans que nous sommes sur le territoire, 5 ans que nous sommes en train de travailler aux côtés des Saint-Louisiens, les associations, vous voyez, tout corps de métier confondu, nous sommes vraiment à pied d'œuvre. Ce n'est pas le fait d'en parler, mais nous sommes en action. D'accord. Et les Saint-Louisiens, ils le voient, et eux-mêmes, ils participent aussi à ces journées d'action. En fait, ce que vous nous avez dit, c'est que ce n'est pas le cas de tout le monde, en tout cas de ceux qui sont sur ce plateau. Je ne les vois pas aussi actifs, en fait. Ils sont absents du terrain? Je pense. Ouais. Donc, vous avez... Mais tout, je suis pas là, en fait. Mais en fait, vous avez tout le terrain pour vous, donc vous mais vous ça fait 5 ans. 5 ans, c'est le temps de l'analyse, c'est le temps du travail, c'est le temps de la cohérence, c'est le temps... vous voyez, 5 ans, c'est pas une journée. Vous voyez, c'est 5 ans en profondeur, 5 ans à côté des Marie-Galantais, en train de leur proposer aussi des solutions d'aide, solutions d'échange, de partenariat. Les associations, si éventuellement ils évoluent, c'est parce que l'association SLEM aussi est à leur côté. Donc je crois qu'une façon d'aborder les Saint-Louisiens, c'est notre méthode est la meilleure. Merci. En tout cas, les dés sont jetés. Maintenant, Camille Pélage, votre avis sur tout cela, vous avez entendu déjà certains propos, vous ne sillonnez peut-être pas le territoire selon Madame Passé-Coutrin, mais vous connaissez Saint-Louis, alors quelle est votre vision? Puisque Bonjour. Je rappelle que vous aussi, vous êtes un élu. Je dirais pas élu, on va dire, au sein de la majorité municipale, mais vous êtes un élu régional. Et alors, comment ça se passe à Saint-Louis? Donc déjà, bonjour. Bonjour à la Guadeloupe, bonjour aux Saint-Louisiens, bonjour aux Marie-Galantais. Un salut particulier à tous nos militants, à mon équipe, puisque j'annonce officiellement que j'ai déposé effectivement la liste Ensemble pour réussir Saint-Louis lundi. Ça s'est très bien passé, donc je suis officiellement candidat. Parce que pour être candidat, il faut déjà remplir cette première obligation. Maintenant, un bilan, un regard. Vous me permettrez de ne pas commenter ce que j'entends, puisque chacun après, c'est comme les couleurs. Les goûts et les couleurs, ça ne se commente pas. Maintenant, par contre, un bilan, à mon sens, il doit se voir en fonction de références, en fonction d'objectifs, en fonction du contrat que l'on avait proposé à la population. À mon sens, vu toutes les décentralisations qu'il y a eu, vu la loi NOTRe qui est entrée en vigueur en janvier 2016 en tout cas, puisque quand on est arrivé, janvier 2016, vu la loi 3D, donc décentralisation, déconcentration, différenciation qui est en cours, il faut qu'on se dise c'est quoi un maire. Un maire, en tout cas pour moi, et c'est au regard de cette vision que je vais dire, mon regard sur ce qui s'est passé. Un maire, c'est un gestionnaire. Un gestionnaire d'entreprise, une entreprise publique. Parce qu'aujourd'hui, une commune, c'est une entreprise publique. Un maire, c'est un gestionnaire d'entreprise publique. Et lorsqu'on
parcours les rapports de la Chambre régionale des comptes. Je veux dire qu'il est un secret pour personne. Et c'est normal que le maire ne vienne pas, puisqu'il y a eu un dépôt de bilan. Il n'y a pas un bilan à défendre, il y a eu un dépôt de bilan. Et ce n'est pas moi qui le dis, la Chambre régionale est très claire, lors de son dernier rapport, dit qu'il n'y a plus rien à faire. Elle ne peut plus proposer quoi que ce soit de plus à Saint-Louis. Les différentes recommandations ne sont pas suivies, et ça de façon répétée. Alors si la commune est en difficulté financière, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a eu un développement, qu'il y a eu des réalisations? Pardonnez-moi, je termine mon intervention. Non mais on va cheminer ensemble. Oui, nous cheminons, mais vous avez posé une question, permettez-moi de choisir la route pour cheminer. Allez-y, monsieur Pelage. Un maire, c'est un manager. Parce qu'une collectivité, c'est une entreprise, comme je l'ai dit, mais il y a du personnel. Il y a du personnel, qu'à Saint-Louis, c'est presque de 83 personnes. Donc, il faut un manager. Un manager, c'est pas, il ne confond pas autorité et autoritarisme. Ce n'est pas moi, je, c'est nous, et on essaie d'emporter l'adhésion. Et pour emporter une adhésion, eh bien, on s'occupe du personnel, on s'occupe de sa carrière, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et puis, on s'occupe des retraites de ces salariés. Qui aujourd'hui, on sait très bien que dans le déficit communal, la part la plus importante, c'est les dettes sociales et fiscales, notamment les dettes sociales. Et un certain nombre de personnes qui ne savent pas comment ils vont partir à la retraite. Donc le maire, c'est un... Et donc, dans ce côté managerial, et puis quand on manage, surtout quand on est maire, parce qu'un élu ne peut pas tout savoir, ça c'est clair, mais on ne peut pas décapiter l'administration communale. Il n'y a pas de DGS, il n'y a pas de directeur général des services, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Et par ailleurs, nous disons, nous, que, mais je viendrai sur les propositions tout à l'heure, qu'il faut aussi un directeur administratif et financier. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans une entreprise, il faut le tenancier de la bourse. Il faut un taulier. Un maire, c'est un visionnaire. Justement parce que nous sommes sur une administration mouvante. Nous sommes sur des lois qui changent. Nous sommes sur un environnement administratif qui change. Nous sommes dans l'insécurité permanente administrative. Il faut avoir en permanence à deux coups d'avance, parce qu'une entreprise publique, ça ne se gère pas comme une entreprise privée. Vous devez être dans l'anticipation. Donc vous devez vous tenir compte de l'évolution des textes, de ce qui va changer, pour pouvoir comprendre ce qui va vous arriver. Puisque les décisions d'aujourd'hui vont impacter pas aujourd'hui, vont impacter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Un maire aussi, c'est un agent de développement. Il est dans la proximité, il est sur le territoire. C'est un bout en train. C'est celui qui va voir les associations, les acteurs du territoire, quels qu'ils soient, pour emporter leur adhésion, pour les réconcilier, pour leur parler, pour les accompagner. On ne prend pas 2-3 mois pour donner un rendez-vous à un citoyen. On ne traite pas les dossiers au bout de 2-3 ans. Une demande de mise à disposition de terrain, une demande simple. On est un bout en train, il faut, et c'est ça qui a manqué essentiellement. Il faut vraiment qu'on soit dans cette optique-là. Et puis un maire, et ça c'est la base, c'est la proximité. C'est l'élu par excellence de la proximité. C'est le confident. C'est celui sur lequel on va se reposer. Il n'a pas forcément la réponse, mais il a l'écoute. Il a l'écoute. Mais avoir l'écoute, c'est pas d'être dans la rue à serrer les mains, ça c'est un peu le frotter folklore. C'est quand il y a de vrais problèmes, être là. Et être justement ce socle-là qui fait que vous rassurez. Vous rassurez. Parce que vous êtes le porte-voix. Vous êtes la voix de la population. Alors quand vous êtes question, à l'intercommunalité, vous êtes la question, voix. Alors à ma question, rapidement maintenant, est-ce que la commune se trouve en difficulté parce qu'il y a eu un développement et un développement cohérent? Je viens de vous dire que c'est en fonction des références que je viens de donner, que j'ai analysé. La population de Saint-Louis observe. Maintenant, quand je dis une référence, parce que moi, je n'ai même pas des références, il faudrait qu'on m'explique qu'est-ce qu'il y a eu de plus à Saint-Louis qu'à Capesterre. Capesterre n'est pas en déficit. Saint-Louis est en grande difficulté. Qu'est-ce qu'il y a eu de plus, à part donc, la RHI, on en a parlé, donc j'ai entendu la RHI, mais la RHI date de plus sous Paméol. Ça a été mis en œuvre, effectivement, par cette majorité, mais c'est des fonds d'État, etc. Donc, maintenant, nous ne pouvons pas nous contenter que de cela. Vous savez en quoi? En 2001, la commune de Saint-Louis avait 3400 habitants. Aujourd'hui, on est à 2447 habitants.
Je crois qu'il y a des chiffres qui parlent. Donc, arrive un moment, on peut se dire que est-ce qu'il s'agit, quand on est maire, de faire ou de faire des choses qui vont porter? Merci. Merci maintenant, Jean-Luc Nago. Alors, pour vous, ce développement-là de Saint-Louis. Donc, bonjour à vous, bonjour à Marguerite et singulièrement bonjour à Saint-Louis. Je fais un constat. Le commune de Saint-Louis a plus de 6 millions d'euros de déficit. Il y a un déclin démographique, M. Pelage vient le rappeler. Je rappelle à M. Pelage qu'il est quand même conseiller régional. Donc, il critique le bilan de Jacques Conano. Toutefois, il était à l'opposition. Il est encore à l'opposition. Donc, je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Moi, ce que je dis aux Saint-Louisiens, demain, si je suis maire, je refuserai l'indemnité de maire. Lorsque nous regardons l'état comptable de la commune, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe dans la mesure où les impôts ont flambé. Les impôts ont été multipliés par 4. Pourquoi je parle des impôts? Lorsque une population est asphyxiée d'impôts, ce sont les plus démunis qui payent les pots cassés. Ce sont les plus démunis qui seront obligés de vendre leurs terres. Parce que Marie-Galante, nous sommes propriétaires terriens. Donc les impôts fonciers ont flambé. Les plus modestes partiront. Marie-Galante va devenir une île de riches parce que ce sont les plus riches qui vont pouvoir acheter les terres. D'une part, d'autre part, les APL, l'État a baissé l'APL. Donc les plus modestes ne pourront pas payer des logements sociaux. Donc ce que ces gens-là vont partir, ils iront ailleurs. Donc ce qui fait que Marie-Galante va vider de sa culture, de son identité, de sa population. Donc les vrais responsables doivent assumer leurs responsabilités vis-à-vis de ça. Quels sont ces responsables? Ben, il faut leur demander parce que nous avons un conseiller régional, Marthur. Je n'ai rien contre Marthur. Il n'y a pas d'animosité entre nous. Moi, je fais juste un constat, c'est le bilan. Marthur, il était adjoint au maire. Il est conseiller général. Je n'ai rien encore contre qui que ce soit. Je demande juste des explications parce que lorsqu'on fait fuir une population, c'est une catastrophe. Lorsqu'on perd son identité, on perd sa culture. Je pourrais même dire, entre guillemets, qu'il y a un génocide qui est en train de se passer à Marie-Galante. Sans... Le mot est fort. Le mot est fort, parce que lorsque vous videz une population de sa culture, parce que le fait de la mauvaise gestion de la commune fait que la population autochtone, entre guillemets, doit partir. Ils vont partir, parce qu'ils n'auront pas le choix. Les impôts sont trop chers. On peut pas. Pour aller où? Ben, on ne sait pas. On ne sait pas. Où est-ce qu'ils iront? Nous ne savons pas. Mais moi, M. Pelage, je viens de le rappeler, en 2001, il y avait plus de 3000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 2447. Le déclin démographique est là. Le déclin démographique a été aggravé par la mauvaise gestion de la commune. Est-ce les jeunes qui s'en vont? Les jeunes s'en vont, mais il y a un phénomène nouveau à Marie-Galante. Les personnes âgées partent rejoindre leurs enfants en banlieue parisienne. Pour se faire soigner, parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils sont isolés socialement. C'est ce que je vois tous les jours, c'est le constat que je constate de par mon métier. Parce que je rappelle que je suis infirmier libéral. Et je vois des personnes âgées qui sont seules. Parfois, les deux personnes que les personnes âgées voient, c'est l'infirmier et la VS. Même le facteur ne rentre plus, parce que la boîte aux lettres est au bord de la route, et quand la personne habite au fond des bras, ben, le facteur ne rentre plus. Donc ça, c'est le constat que moi je fais. Après, je tire pas sur qui que ce soit. Moi, j'aimerais quand même qu'on m'explique comment nous sommes arrivés là. Vous dites une commune à l'abandon. Une commune à l'abandon. Une commune à l'abandon parce que il n'y a pas eu vraiment de réalisation. Le déclin démographique me parle de lui-même. Nous ne pouvons pas... il va falloir développer. Il va falloir redynamiser les bourgs. Il va falloir faire revenir les jeunes. Il va falloir maintenir les personnes âgées en place. Alors dites-moi, le maire, il vit à Saint-Louis. Il vit les mêmes choses que vous. Donc quel est l'intérêt que cette commune soit à l'abandon? J'ai aucune idée. Il faut lui poser les questions parce que moi, je fais juste un constat. Après, je ne porte pas de jugement de valeur. Je constate les choses. Voilà. C'est pas, je peux pas répondre à la place du maire. Peut-être à la rigueur, on peut demander à Martyr qui est conseiller départemental ou qui est actuellement adjoint au maire.
Je dis encore, je n'ai rien contre ta martyre, c'est juste une constatation. Ouais. Alors, oui, alors vous dites oui, commune à l'abandon. Donc les discours ne sont pas en phase, puisque vous avez souvent parlé de M. Martyr Nago, qui dit oui, il y a des choses qui ont été faites. Alors, est-ce que vous pouvez me citer... Malheureusement, je suis obligé de parler de Martyr parce que c'est lui qui est en face de moi. S'il y avait quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil. Non, il n'y a rien qui a été fait. Je peux vous dire que parfois, c'est moi qui va acheter une bouteille d'eau, une bouteille de lait pour une personne âgée parce que les enfants ne sont pas là. Les enfants sont à Pointe-à-Pitre. Quand la personne âgée a de la chance d'avoir quelqu'un en Guadeloupe, la personne va venir le week-end. Mais quand la personne vit en métropole, comment la personne fait? Parfois, c'est moi qui vais chercher la bouteille d'eau, c'est moi qui vais chercher la bouteille de lait, c'est moi qui vais chercher les médicaments. Voilà, ça, c'est le constat que je fais. Donc, le maire, c'est vous ? Non, le maire, c'est pas moi. Je ne suis pas maire. Mais je tiens à préciser que si demain, je suis maire, je refuserai l'indemnité de maire. On va y arriver tout à l'heure. Je vais passer du côté de M. Navis. Vous aussi, vous êtes Saint-Louisien, vous êtes en permanence sur le territoire. Vous avez vu un développement, un mal-développement. Qu'avez-vous constaté? Bien, bon, ben, je dis bonsoir à tout le monde hein, sur le plateau. Et aussi à Saint-Louis, à tout le monde de Saint-Louis, ainsi qu'à mes amis hein, qui sont à Saint-Louis et qui sont aussi ailleurs. Vous saluez aussi le conseil municipal. Pardon ? Vous saluez le conseil municipal ? Oui, parce que ce sont des représentants, ils ont été nos représentants. Je salue Martyr. Hein. Martyr oui. A été mon représentant. Il a mal fait le boulot, mais n'empêche, il a été mon représentant. Hein. D'autant plus que c'est vrai que, compte tenu de la situation de la commune, que tout le monde peut décrire, c'est une situation objective. Mais tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui a été fait? Pourquoi la commune se trouve-t-elle dans cette situation? À la limite, vulgairement dit, où est passé l'argent? 7 millions de déficit. Mais qu'est-ce qui a été fait? On ne voit rien. D'autant plus, moi, je veux bien comprendre que certains ne prennent pas leurs responsabilités, mais lorsqu'on a fait partie d'une équipe municipale, d'une majorité municipale, pendant 6 ans, durant quasiment les 5 premières années, on n'a rien dit. J'ai relu les PV du conseil municipal. Pas une fois, j'ai vu une intervention de Martyr pour proposer quelque chose. On a entendu parler de lui récemment. Hein, mais ce n'est pas suffisant pour gérer une commune. Ensuite, on est en droit de se demander qu'est-ce qui a été fait. Alors, on entend des choses, etc., que je ne vais pas reprendre. Mais il n'en reste pas moins vrai que Saint-Louis se trouve dans une situation, je ne dirais pas catastrophique, hein, mais pire que ça. Parce que ça me fait de la peine de voir que les amis de Martyr, je parle du sénateur Lurel, prend la commune de Saint-Louis en exemple lorsqu'il faut citer le cas de commune irredressable. Et c'est son copain, lui. Hein. Donc, c'est d'autant plus que Martyr, quand même, je n'ai rien contre lui. Mais il a dit quand même, il a soutenu quand même qu'il a été maire à 90% pendant au moins 5 ans. Donc hein, il faut supporter ça, il faut s'engager. Maintenant, s'il entend qu'il veut poursuivre, il souhaite poursuivre ce qu'il a commencé, mais c'est encore pire. Ce sera pire. Qu'est-ce qu'on va devenir? On va disparaître. Donc, ceci... Alors il dit qu'il ne partage pas. Hein, le. Il ne partage pas, ouais. Mais il était là, il n'a rien dit. Hein? Il ne partage pas aujourd'hui, mais pendant le temps qu'il aurait pu dire quelque chose et faire changer les choses, il aurait pu agir. Il n'a pas agi. Ce qui m'étonne aussi, c'est d'entendre que la commune est une entreprise publique. Moi, je suis économiste. Une entreprise, c'est une organisation qui produit quelque chose et qui vend la chose. La commune n'a rien à vendre. La commune ne vend rien. La commune ne peut en aucun cas être une entreprise. Je sais que M. Pélage fréquente le monde de l'entreprise, mais il ne faut pas confondre la collectivité communale hein, de la sphère privée. Donc, et ceci, je crois que c'est un principe même dans la gestion de ce que la commune, le service public que la commune doit produire. Il ne suffit pas d'avoir, il faut de la rigueur, il faut gérer. Mais ce que je me demande, la façon dont
M. Pelage a décrit le maire, sa perception du maire. C'est un maire bout en train, c'est un maire conseiller, c'est un maire, etc., etc., etc. Mais M. Pelage, si vous êtes maire, à quel moment vous allez pouvoir faire ça? Vous êtes conseiller régional, vice-président du conseil régional. Vous êtes président des 50 pages géométriques. Vous êtes président ou directeur du CIPS. Vous êtes à la communauté des communes. Hein? Vous travaillez. Hein? Et vous serez disponible pour que les Saint-Louisiens viennent se coucher sur vos épaules et pleurer. Non, arrêtez. Hein? Mais, non. Non, mais vous allez répondre. Hein? Dans le moment viendra, vous allez répondre. On va débattre. Hein? Ah, oui. Ensuite, ce qu'il convient, me semble-t-il, de faire, ce n'est pas tant de décrire ce qui est. Nous savons, nous connaissons l'histoire. Ce qui importe, c'est surtout voir comment nous allons nous en sortir. Et comment faire pour que toute cette population puisse s'accorder sur les nécessités des actions qu'il faut entreprendre. Et nous, mon équipe et moi, nous avons depuis tantôt conçu une méthode pour sortir, ça prendra du temps, mais pour sortir de ce marasme. Cette méthode est fondée sur la co-construction. Nous allons proposer un certain nombre... Nous allons proposer aux Saint-Louisiens un projet. Un projet électoral, c'est sûr, mais surtout un projet politique, qui est destiné, en tout cas, à ce que nous puissions retrouver notre fierté, hein, retrouver notre identité qui a été quand même assez galvaudée. Alors, pour cela, je ne dis pas qu'il faudra évidemment l'aide de l'extérieur, notamment l'aide des autres collectivités. Et c'est justement encore, je repose la question à M. Pelage et à M. Nagor, Martin, vous qui êtes représentants, pas seulement de la commune, de la Guadeloupe et de Marie-Galante, au sein du conseil régional et du conseil général, départemental, je n'ai jamais vu, les six dernières années, je n'ai jamais vu un panneau où il y a des travaux, où c'est écrit conseil départemental, conseil régional. Alors, qu'avez-vous fait? Et maintenant, par conséquent, il me semble que vous avez le droit de solliciter le soutien, le suffrage des Saint-Louisiens. Je ne sais pas moi qui vais vous l'enlever, mais il faut quand même être honnête. Merci. Merci, Monsieur Zigo. Je dirais bonjour aux Saint-Louisiens. Et c'est bonjour aux Marie-Galantais, bonjour à la Guadeloupe tout entière. J'entends de très belles paroles. J'entends des choses extraordinaires. J'ai écouté Mme Bassé-Coutrin, M. Pelage, M. Nago et les autres qui ont parlé d'un bilan très mauvais. Mais je précise que le bilan auquel on parle, qui est de 6,4 millions d'euros, des gens qui sont autour là, ils ont voté ce bilan-là. Ils l'ont voté le 30 décembre. Vous aurez dû voter contre le bilan du maire. Vous ne l'avez pas fait. Je dis ça à monsieur Amartir. Tu fais partie de la majorité. Tu aurais dû voter contre parce que tu me dis que c'est un bilan qui est catastrophique. Mais je dis aussi à monsieur Pelage, qui est de l'opposition, qu'il est resté muet. Il ne nous a rien dit. Il fallait aussi vous élever. Il fallait dire que vous n'êtes pas d'accord. Aller devant les médias et de dire aux médias que vous n'êtes pas d'accord, que le bilan est catastrophique. Il fallait le faire. Moi, je dis que nous avons une très belle commune de Saint-Louis-de-Marie-Galante avec beaucoup de potentiel. Avec beaucoup de potentiel et beaucoup d'atouts. Des mares, la rivière, des anses, tout ça fait partie du développement économique qu'on aurait dû utiliser. Pourquoi ça n'a pas été fait? Ça n'a pas été fait parce que l'équipe politique n'a pas eu de vision à ce niveau-là. Ils n'ont pas eu de vision. Ils sont restés là pendant 6 ans et beaucoup d'entre eux
ont arrêté de venir à la mairie, d'assurer leur permanence. Beaucoup. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Peut-être qu'ils avaient le désaccord entre eux. Mais nous les avons élus jusqu'en mars 2020. Il fallait assurer. Vous assurez, si vous n'êtes pas d'accord, vous devez démissionner. C'est possible de démissionner. J'ai entendu Mme Pasquin qui dit que ça fait 5 ans qu'elle sillonne les... C'est bien, madame, je te félicite, Liliane. Mais actuellement, la population de Saint-Louis, ce qu'elle souhaite, c'est de voir à la tête de la commune de Saint-Louis une nouvelle équipe d'hommes et de femmes très compétentes, très dynamiques et surtout disponibles. Je dis ça parce que, après avoir eu plusieurs rencontres avec la population, ils ne veulent plus entendre parler des gens qui ont fait partie et qui font encore fait partie là actuellement de l'équipe actuelle. Et quel que soit sur les listes, ils ne veulent plus entendre parler d'eux. Ce n'est pas normal de nos jours que nous avons des élus qui profitent des biens de la commune. Ce n'est pas normal. Nous ne pouvons plus accepter ça. Nous ne pouvons plus accepter ça. Expliquez-vous qui profite des biens de la commune. Est-ce que vous pouvez expliquer? Quand vous êtes élu de la commune, vous avez votre appartement. Vous louez votre appartement et vous dormez dans les locaux de la commune. Ce n'est pas normal. Les gars, nous sommes en politique. Nous devons nous respecter. La population de Saint-Louis ne veut plus entendre parler des gens qui ont des casquettes. Et au sein de certains... Nous sommes là, entre nous. Nous, c'est Moun Saint-Louis. Ils font 10 autres, ça. Dans l'équipe Azote, ni Moun, que ce soit 3 Camille, que ce soit 3 Liliane, que ce soit 3 Marty, qui a profité d'habiter à la commune. Il faut nous arrêter ça. Vous ne pouvez pas aller en politique avec ces gens-là. Mais c'est, nous devons mettre ces gens-là de côté. La population de Saint-Louis ne souhaite plus voir, entendre parler de ces gens-là. Même si vous mettez caché au loin, Camille dit vous décachez. Marty, tu ne peux pas reconstruire, reconduire l'équipe qui a mis la commune de Saint-Louis là où elle est. Nous, entre nous, ne pas fâcher les hommes. Là, on voit nous qui sortir là. Je vais passer pour un fort beau moi. Camille, il faut nous prendre la main et toutes les autres font nous prendre la main. Mais il faut nous être logique. Il faut nous être logique et honnête. La commune, et quelles que soient les communes de la Guadeloupe, un maire doit être un homme de proximité, un homme disponible. C'est très important. C'est la raison pour laquelle je viens aujourd'hui en politique, parce que je sais que je serai disponible. Et je mesure ce que je dis. Parce que les gens qui sont avec toi, Camille, quand ils sont venus me dire, il faut qu'on ait fait la guerre avec Mela, pour Mela, mettez-vous adjoint. De me connaissant en tant que Saint-Louisien, en cas estimé que quand je suis de profession marin, navigateur, officier de la marine marchande, quand tu navigues dans la Caraïbe et que tu dors 5 jours à l'extérieur de la Guadeloupe et 2 jours sous la Guadeloupe proprement dite, où tu ne peux pas aller revendiquer une place d'adjoint au maire, c'est irrespectueux vis-à-vis de la population. Moi, j'ai refusé. J'ai dit que j'ai fait 2 mandatures avec le maire en 2001 et en 2008. Je ne peux pas aller faire des histoires avec le maire pour une histoire de place. Nous n'avons pas vu nos places. Ce n'est pas ça le problème. Alors, je vous dis, dans vos équipes, composé, tu as dit que tu as déposé ta liste avec encore des gens qui ont mis la commune avec 6,4 millions d'euros de déficit. Voilà. Merci. Voilà donc, un moment est dédié pour que vous puissiez échanger, puisque beaucoup de propos ont été tenus concernant les listes, concernant la manière de gérer, concernant aussi le manque de temps. On a parlé aussi de
les capacités à pouvoir gérer. Alors, Madame Passé-Coutrin, si vous voulez réagir sur ce qui a été dit, allez-y. En fait, j'ai écouté tout un chacun. Notre objectif, en fait, c'est que le constat y est. On sait très bien que la dette, elle est abyssale. On parle aux Saint-Louisiens. Et je demande aussi aux Saint-Louisiens de m'écouter et de nous écouter. Particulièrement les personnes âgées, les jeunes, les chefs d'entreprise qui attendent beaucoup sur une nouvelle gouvernance. Nous ne sommes pas là pour chercher querelle et savoir qui a tort, qui n'a pas tort, jouer, faire la guerre. Parce que je crois que maintenant, les Saint-Louisiens veulent des hommes et des femmes qui soient au combat, qui soient en même temps compétents. Ils veulent comprendre aussi. Voilà, qui soient aussi à l'écoute. Donc, c'est pour ça que je vais recentrer effectivement mes dires sur ce que nous allons proposer aux Saint-Louisiens. Nous y arriverons tout à l'heure. C'était juste un espace d'échange. D'accord. Concernant ce qui a été avancé. Vous n'avez rien à dire à tout cela? Mais vous savez, il y aura toujours des choses à se reprocher parce que l'homme n'est pas parfait. Nous sommes à Saint-Louis. Nous voulons que notre commune réussisse. Nous voulons une nouvelle gouvernance. Tout un chacun a des choses à se reprocher. Mais l'objectif maintenant, les Saint-Louisiens qui nous regardent, la Guadeloupe qui nous regarde, qu'est-ce qu'on veut réellement pour Saint-Louis? Nous connaissons déjà, nous avons déjà diagnostiqué les difficultés du territoire. Donc là maintenant, moi ce que je dirais, c'est j'ai des solutions. Et la guerre familiale, la guerre de personnes, la guerre de gestion, on verra ça. Mais pour l'instant, nous, ce qu'on veut donner, c'est l'image de Saint-Louis et comment nous allons nous en sortir. Camille Pélage. Merci de me donner la parole. J'ai entendu effectivement beaucoup de choses qui sont graves. Je pense que ce n'est pas ici un espace, ce n'est pas un tribunal. Donc il y a des propos qu'il faut mesurer, surtout lorsqu'on veut être maire. On est plutôt dans l'apaisement, dans la diplomatie. On n'attaque pas ainsi des ex-collègues. Parce que je rappelle à ceux qui sont s'exprimer, qui Enor, qui François, c'est vous qui avez contribué à mettre ces équipes en place. Pas moi. J'ai toujours dit à la population que vous faites fausse route. Je n'ai pas été entendu. C'est vrai, je n'ai pas été entendu. Mais je suis un démocrate. J'ai joué le jeu de la démocratie. Maintenant, sur ma disponibilité. Mais les hommes, quand même, François, un gars comme toi, j'occupe des mandats qui sont liés aux fonctions de conseiller municipal, conseiller communautaire. D'accord? Donc, quand vous voulez être maire demain, vous savez quoi? La commune est représentée dans, etc., de structures. La région est représentée dans, etc., de structures. On est 8 vice-présidents. On se sépare le job. Attends, mais... Deux secondes. Quel mandat? 50 pages géométriques, c'est gratuit. Conseiller régional, c'est 2100 euros. Mais c'est la transparence des fonds publics. Non. Ce que je dis, c'est que lorsqu'on a autant de missions, on ne peut pas tout mener à bien. Mais François, laisse-moi finir de parler. Soit je t'ai écouté religieusement, tu veux être maire, soit aussi respectueux. Il faut continuer. Cette affaire-là. Le truc, c'est que le 15 mars, je ne suis plus conseiller municipal, je ne suis plus conseiller communautaire. On remet les billes à zéro. Il me restera effectivement la fonction de conseiller régional. Et moi, je prétends que dans la situation de Saint-Louis, il vaut mieux avoir un maire qui a un pied dans une des assemblées fortes en Guadeloupe. Ça, j'assume. J'assume, puisque ça, c'est du pragmatisme. Il faut être maire pour que tu puisses jouer François, ton rôle de conseiller François, régional au bénéfice de Saint-Louis. Laissant fini. Je prétends et j'assume que vu la situation de Saint-Louis, de ce que je sais, parce que j'ai été technicien, par contre, et je suis aujourd'hui politique. Nous parlons de politique. Je suis aujourd'hui politique. Tout le monde a été technicien dans leur domaine. J'ai été politique. Non, mais ce qui est dérangeant, c'est que tu parles, je t'écoute. Je parle, tu m'interromps. Donc, en fait, il faut arrêter de dire des choses aux gens qui ne sont pas vraies et qui sont dans la vraie vie. Ça vous envoie dans le mur. Donc,
Je dis à la population saint-louisienne, en tout cas j'assume, dans notre situation, il vaut mieux que le maire ait un pied fort dans l'assemblée départementale ou régionale. Merci. J'ai terminé. Merci. Parce que il y a tout important qui a été dit. Rapidement. Rapidement. Sur une commune, ce n'est pas une entreprise publique. Écoutez, le rapport de la Chambre régionale des comptes dit clairement, François, que justement, l'un des défauts de la commune de Saint-Louis, c'est qu'elle travaille pas assez sur ses recettes. Et notamment quand on prend les voiliers qui stationnent à Saint-Louis. Ce sont des services qu'on doit vendre. Oui, la commune peut vendre des services. Oui. Et c'est en ce sens que je dis, c'est vrai que c'est pas du business, mais c'est un service public. Une entreprise publique, François Rousseau, un économiste, tu l'as dit. Ah oui, une entreprise publique ne veut pas dire que ton objet social fondamental, c'est de faire du profit. Merci. Merci. Non. Monsieur Jean-Luc Nago. Juste, Monsieur Navis, deux minutes. Moi, je Jean-Luc veux juste Nago. Rappeler à la population saint-louisienne que sur ma liste, je n'ai personne des anciens, des anciens conseils municipaux. Je n'ai... nous sommes peut-être novices en politique. Nous sommes une liste totalement novatrice. La Benjamine chez moi, c'est 19 ans. Et la doyenne, c'est 80 ans. Donc, j'ai essayé de composer une liste qui représente la population saint-louisienne. J'ai déjà déposé ma liste, j'ai déposé hier. J'ai juste le certificat provisoire, j'attends le certificat définitif. Quelle est la moyenne d'âge? 40 ans à peu près. Puisque j'ai pas mal d'étudiants avec moi, hein. J'ai des jeunes étudiants, j'ai des gens de la classe moyenne. Donc, j'ai deux seniors avec moi. Voilà, j'ai fait le choix d'éviter, comme Inor disait, d'éviter les personnes ayant déjà fait partie d'un conseil municipal. Parce que Inor l'a rappelé, nous avons un bilan qui est totalement catastrophique. Parce que je rappelle encore, parce que les impôts, c'est un indice pour la qualité de vie. Et je suis très soucieux... de la classe populaire, parce que je viens d'une classe populaire, je n'ai jamais oublié mes racines, je n'ai jamais oublié, certes aujourd'hui j'ai de la chance d'avoir un métier, mais j'oublie pas d'où je viens. Et lorsqu'on a mal géré une commune, on a mal géré les deniers publics, ben ça devient une catastrophe. Et malheureusement, les jeunes sont obligés de partir. Les personnes âgées aussi partent. Aujourd'hui, Martyr, qui est conseiller départemental, notre collège va fermer. Voilà, il ne nous restera plus rien de service public. Il n'y a pas si longtemps, sur une chaîne concurrente, j'ai parlé de La Poste. J'ai entendu dire que La Poste allait ouvrir le 1er avril. Donc j'espère que c'est pas un poisson d'avril. Voilà, donc le constat, il est accablant. Voilà, et moi, je suis un homme de terrain. Je suis sur le terrain tous les jours, de 4h du matin à 20h. Voilà, parce que... Vous êtes un bon gestionnaire. J'espère être un bon gestionnaire, parce que mon comptable me dit que je suis un bon gestionnaire. Voilà, donc je crois à mon comptable. Voilà. C'est lui qui a défini. C'est lui qui définit, c'est pas moi, parce que moi, j'écoute ce qu'il me dit. Parce que, comme M. Pelage dit, il y a toujours du monde autour, il faut écouter les gens autour. On ne dirige pas une commune seule. Et malheureusement, je reviens sur Martyr. Je n'ai rien contre Martyr. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais c'est je lui pense qui est... qu'il a déjà entendu. Hein, parce mais que c'est lui, mais c'est lui qui est en face. C'est lui qui est en face. Il est convaincu maintenant que vous n'avez rien contre lui. Voilà. C'est lui qui est en face. C'est lui qui fait partie de la majorité. Malheureusement, c'est lui qui va prendre. Donc, c'est désolant pour lui. Mais je pense qu'il a le dos large. Donc, il va assumer, Martyr. Je connais Martyr. Il va assumer. Il va assumer. Oui, je connais très bien Martyr. Il va assumer. Donc, il n'y a aucun problème entre lui et moi. Non, on a l'habitude de Pourtant, se dire les choses. Pourtant, vous n'êtes pas sur la même liste. Mais Qu'est-ce qui a coincé? Ben, ce qui a coincé, c'est que moi, j'ai toujours insisté sur le bilan. Et je suis novice en politique. Je ne pouvais pas porter un bilan comme ça. D'aller avec Martyr, je ne pouvais pas porter un bilan comme ça, dans la mesure où je ne connais pas vraiment la subtilité des choses. Voilà, même si je me connais en gestion, je me connais en sciences humaines, je me connais en économie aussi, de par ma profession, mais je ne pouvais pas porter le bilan de quelque chose que je n'ai pas fait, que je n'ai pas participé. Voilà. Merci, Martyr Nago. Voilà. Je constate que je suis le cible. Que les balles perdues arrivent sur moi. C'est normal. Je rappelle,
François, qui est à ma droite, il était de la majorité en 2001. Je rappelle, Inosigo, il a précisé, en 2001-2008, il était conseiller municipal. Je rappelle que je n'ai pas vu grand-chose qu'il a réalisé pendant cette mandature-là, 2001 à 2014. Je rappelle que M. Navis, quand il arrive le vendredi soir à 18h30, il repart le lendemain matin, samedi, à 6h du matin. Je ne pense pas qu'il a le temps de voir un panneau du conseil régional, un panneau du conseil départemental sur les travaux réalisés sur le territoire de Saint-Louis, plus précisément sur le territoire de Marie-Galante. Ils étaient implantés où, les panneaux? D'accord. Monsieur Navis, je termine. Ah, je vous ai écouté religieusement parce que je suis en capacité de répondre à toutes les attaques. Donc, avec 2447 habitants, je rappelle la première personne qui m'a sollicité pour faire quelque chose ensemble. C'est M. Pélage. Je me rappelle, février 2018. Je rappelle, l'ensemble des candidats sont venus me voir. Mais je peux vous rappeler également qu'il y a 3 élus à Saint-Louis. Le maire en place, Jacques Cornano, Camille Pélage, le conseiller régional, Martin Nalro, le conseiller départemental. Donc, je ne suis pas celui qui soulève une petite pierre et qui fait des tapages sur les ondes. Je suis celui qui soulève la montagne et que personne ne voit rien. Vous avez soulevé la montagne Saint-Louisienne? Oui, et personne ne voit rien. Je peux. Monsieur Navis, il a si bien dit qu'il m'a entendu le 30. C'est pas parce qu'il m'a entendu le 30 que Martin Onago ne faisait rien à Saint-Louis. Il y a d'autres collègues qui peuvent en témoigner, parce que Jean-Luc l'a si bien dit, il n'a rien à reprocher à Martin, d'autre que le bilan dont il fait partie. Ils sont tous venus me voir, sauf Madame Passé-Coutré. Mais son mari m'a parlé, qui est mon cousin, personnellement. Donc, Martyr, si tu viens avec moi, on va gagner les élections au premier tour. La dernière personne qui est venue me voir, c'est M. Zigo. Il m'a dit, Martyr, je suis quelqu'un très populaire à Saint-Louis. Un homme qui est sur un bateau, capitaine d'un bateau, comment il peut être très populaire à Saint-Louis? 100 000 passagers par année. Très, monsieur Zigo, je vous ai écouté religieusement. Permettez-moi de terminer ma pensée. Comment le capitaine d'un bateau qui fait la ligne internationale peut être très populaire à Saint-Louis? Je rappelle, dès mon arrivée à la municipalité de Saint-Louis, j'ai toujours rêvé pour que Saint-Louis puisse retrouver une place dans le développement économique du territoire de Marie-Galante. Fort de mon expérience, je tiens à féliciter le maire qui m'a donné l'occasion de comprendre l'administration communale. Fort de mon expérience, j'ai toujours évoqué pour ma commune, parce que je suis né à Saint-Louis, je ne suis pas né à Grandbourg, je suis né derrière la maison de ma maman. Donc je suis en parfaite harmonie avec la nature. Je suis agriculteur. J'ai entendu Jean-Luc dire qu'il est tous les jours à 5h du matin et à 8h du soir. Moi, je ne sors pas sur le terrain. Donc, je suis dans la population. On se croise. Hein? Si on ne se croise pas, c'est M. Navis, M. Zigo qu'on ne se croise pas. On se croise. Ce sont des Saint-Louisiens qui animent le territoire. Donc, je n'ai aucun regret à dire ce que j'ai fait pour Saint-Louis, ce que je pense réaliser pour Saint-Louis et comment j'ai administré Saint-Louis. Merci. Eh bien, je vois qu'il y a beaucoup de religieux parmi nous. Ce qui manque, c'est la foi.
Monsieur Nago ne croit pas en ce qu'il dit. Monsieur Village, non plus. Il faut bien préciser, monsieur Nago. Monsieur Martin Nago. Oh. Non, mais c'est important. C'est important. Il ne croit pas, il manque la foi. Je rappelle, effectivement. J'ai effectivement fait partie de l'équipe municipale de 2001. La première équipe municipale après. J'y suis resté 2 ans et demi. Je suis parti parce que je ne m'entendais pas avec les autres. Monsieur Nago ne s'est pas entendu, mais il est resté. C'est une différence notable. Pourquoi il est resté? On peut spéculer. Il est resté. Durant les 2 ans et demi que je suis resté, je m'occupais notamment des finances, de l'aménagement du territoire. En 2003-2004, que je suis parti, la commune de Saint-Louis avait payé sa dette sociale, avait payé les impôts, avait payé le SDIS et avait payé toutes les entreprises à tel point que, à mon départ, les entreprises étaient payées durant les 30 jours. Ceci ne s'est pas... C'était la première fois pendant les 40 dernières et la seule fois pendant les 40 dernières années, 35-40 dernières années, où ça s'est produit de la commune. Aujourd'hui, Camille Pélage a raison, a montré l'importance de la dette sociale. Mais il n'y a pas que la dette sociale. Il y a aussi la dette fournisseur. Il y a les entreprises qui ne sont pas payées. Elle est moindre, mais elle est là. Si ces entreprises refusent de livrer ceux qui ont leurs droits, la commune se trouve dans des conditions bien difficiles. Ensuite, j'entends dire que Camille se présente comme étant celui qui a l'écoute. Mais quand je passe à Saint-Louis, le vendredi soir, du vendredi soir au samedi matin, on me parle de Camille, moi je. Camille, c'est le moi je, c'est celui. Il existe. La preuve, je rappelle quand même, que Mme Passé-Cotrin, qui s'y présente, était sur la liste de Camille Pélage en 2014. Aujourd'hui, mais attends, je sais, aujourd'hui elle est candidate. Et je vais plus loin. J'y étais aussi sur cette liste. Aujourd'hui, je suis candidat. On peut dire que, bon, Mme Passé-Cotrin et moi-même, on a eu des difficultés avec Camille. Mais sur la liste, il y avait quand même 23 personnes. 17 sont parties. Alors, le problème, probablement, ne vient pas de nous, mais de Camille. Hein? Bien. Ensuite, quand je n'arrive pas à bien saisir Camille, parce que je ne comprends pas. Camille, il appartient à un parti politique, hein? Il est dans un parti politique depuis belle lurette. Il a été un technicien et a travaillé avec des politiques. Mais se revendiquer comme étant un politique, c'est un politique dont la place est dans l'opposition. Camille, tu rêveras, c'est de l'opposition. Mais par contre, moi, ce que je propose ça à tout le monde. Il y a beaucoup d'experts parmi nous. Je voudrais que, à l'issue de ces scrutins, à l'issue de ces élections municipales et communautaires, que nous qui sollicitons le suffrage, parce que nous pensons pouvoir faire quelque chose, que vous, je ferai appel à vous tous pour que vous puissiez contribuer, apporter votre pierre à la construction, à la reconstruction. Ça veut dire que vous serez élu, c'est ça? Oui, bien sûr. Merci, merci. Monsieur Zigo. Oui, j'ai écouté très studieusement les commentaires auxquels on me dit que comment un commandant de navire peut être un homme de proximité et un homme disponible et qu'on ne me connaît pas à Saint-Louis, je pense que ces gens-là doivent faire un petit retour en arrière. Marty et tous les autres, je suis Enor Zigo, né à Saint-Louis, élevé à Saint-Louis, joueur de football à Saint-Louis de Marie-Galante, très connu par le monde sportif. Comme beaucoup de jeunes, j'ai commencé ma carrière professionnelle à Saint-Louis de Marie-Galante en tant que marin pêcheur. Si Marty, tu me dis que tu ne me connais pas à Saint-Louis,
c'est un peu désolant que d'autres personnes me connaissent. Aujourd'hui, tu me dis que tu ne me connais pas, que je ne suis pas quelqu'un de connu à Saint-Louis. Mais tu m'appelles pour me dire quand tes amis politiques ont des petits soucis pour partir à Club Bateau de les attendre. Aujourd'hui, tu me dis que tu ne me connais pas. Marty, faut nous arrêter. Je ne veux pas ce genre de démagogie. Je vous dis, la population saint-louisienne souhaite autre chose. Pas ça. N'allez pas dire, je dis que tu as surmonté, soulevé les montagnes et tout. La montagne, c'est 6 millions 4. C'est ce que nous devons surmonter. C'est ça la montagne. Et nous devons mettre en place une politique de rigueur pour faire ça. J'entends Camille qui dit qu'il nous faut un DGS, qu'il nous faut ceci, il nous faut cela. Mais en même temps, on nous dit que la commune est déficitaire. Il faut nous faire attention, il faut qu'on fasse très attention pour ne pas encore causer le déficit et le rendre encore plus grave. Je vais m'arrêter là parce que je ne souhaite pas que nous puissions partir dans la mauvaise direction. Mais ne dites pas, tu as dit que tout le monde est venu te voir. Faut-tu me dire là, devant la population saint-louisienne, où tu m'as. C'est moi qui viens te voir. Dis-moi où je suis venu te voir. Et dis-moi quand. Et moi, je vais préciser où nous nous sommes vus. Moi aussi. Je vais préciser. Je suis un homme. Je ne suis pas un homme de démagogie. Je ne suis pas la démagogie politicienne. Ce n'est pas ça du tout. La population saint-louisienne m'avait mandaté d'aller mettre en place un processus avec tous les candidats qui sont là pour faire une seule équipe. Et je mesure ce que je dis. Pour faire une seule équipe pour aller aux élections. Monsieur Pélage, si Enor Zigo invente quelque chose, tu vas dire que oui, il invente. Je t'ai appelé, on s'est eu au téléphone, et je suis venu te voir chez toi. Et on a discuté de ça. Vrai ou faux? Tu peux répondre. Monsieur Nago, on s'est vu chez moi, chez mon papa. On a discuté de ça. Et je peux dire ce qu'on a discuté. Je n'ai rien à cacher à la population saint-louisienne. Quand j'ai dit à M. Pélage que la population souhaite qu'il ne soit pas tête de liste, mais qu'il souhaite avec l'équipe, parce que nous devons mettre en place quelque chose de fort. Il m'a répondu, et si je mens, tu diras que je mens, Camille. Il m'a répondu que pour lui, ce n'est pas un souci, ça ne le dérange pas, mais qu'il faut qu'il aille demander à son équipe. Et je comprends ça, c'est tout à fait normal, tu as une équipe, il faut lui demander. Mais on n'a pas eu de réponse. Marty, tu m'as répondu à moi et Enor Zigo, chez mon papa, que en tant qu'adjoint au maire et conseiller départemental, que la commune de Saint-Louis te revient de droit. Je ne peux pas accepter ça. D'accord? Si Enor Zigo invente quelque chose, si Enor Zigo est un menteur, la population saint-louisienne, je le dis ouvertement, je n'ai rien à cacher à ma population. Ça n'a pas marché. Je suis revenu voir la population et leur dire, messieurs, vous avez monté un petit groupe de personnes pour mettre en place une équipe. Plus vite. Je vais terminer. Vous m'avez envoyé faire une mission. La mission, je vous donne la réponse. Ça n'a pas marché. Et là, ils m'ont dit, écoute-moi, vas-y, fais tes affaires, nous sommes derrière toi. C'est la raison pour laquelle, que, avec mon équipe, on est très en retard. On est arrivé il n'y a que 7 mois. Je dis ça, on n'a que 7 mois de politique. En 7 mois... La faute à ceux qui se trouvent sur le plateau. Non, ce n'est pas de leur faute. Ils ont leur... C'est la démocratie. Ils ont envie d'aller d'accord, à l'élection merci. En tant que maire. Ils ont tout à fait la démocratie. Merci. Mais ne dites... 2 secondes, s'il vous plaît. Mais ne dites pas que je suis venu te voir. Ce n'est pas ça le souci. Nous avons discuté. Et malheureusement, ça n'a pas collé. Merci. Merci. Maintenant, nous passons à cette phase proposition. Alors, Madame Passé-Coutrin, que souhaitez-vous faire pour cette commune? Quels seront les axes prioritaires? Je crois qu'il faut aimer Saint-Louis. Je crois que lorsqu'on aime Saint-Louis, on ne peut pas partir sur de la querelle. Parce que moi... Personnellement, je ne suis pas une femme qui aime les histoires, et notre équipe aussi, nous n'aimons pas les histoires. Nous voulons travailler pour Saint-Louis. C'est vrai que lorsqu'il y a trop de clivages,
trop de personnes qui sont... C'est une guerre de personnes. Et donc, ça ne permet pas d'être visionnaire. Nous, nous sommes une équipe dynamique, visionnaire. C'est vrai que je prends note de ce que j'entends autour du plateau, autour de moi. Mais nous avons une vision ambitieuse. Une vision qui s'articule sur une réelle équité de politique menée sur le territoire. Donc, comme je disais, ça fait déjà 4 ou 5 ans qu'on est très actifs sur le territoire en proposant des ateliers, en proposant aussi une participation des citoyens. Donc, en élément fort, déjà, on va accompagner les citoyens, parce qu'il y a beaucoup de citoyens. Il faut savoir que Marie Galante aussi souffre de l'illettrisme. Donc, tout ce qui est des personnes, ils ne savent pas forcément gérer l'administratif. Donc, on a déjà commencé cet atelier lors des permanences de 8h à midi et sous rendez-vous. Donc, des fois, on va à domicile. On aide ces personnes à pouvoir monter les dossiers sur l'alias fiscal, sur aussi des démarches, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont partis. Donc, les aider sur l'APL et tout ce qui est administratif. Donc, nous allons encore accentuer sur ce volet-là. Nous avons aussi un projet de développer un réseau d'aide, un accompagnement parents-enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se déscolarisent et je pense qu'il y a des enseignants aussi, il y a un enseignant sur le plateau, donc il sait de quoi nous sommes en train de discuter. Et il faut vraiment mettre cet appui sur Marie Galante, parce que nous avons beaucoup de jeunes, certes diplômés, ils ont un minimum, mais après, des fois, au niveau de l'orientation, ils ne savent pas où se diriger, donc vers la commune de Saint-Louis. On voit près de la mairie, il y a beaucoup de déshérence, il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Et donc, le soir, on n'hésite pas, on va les voir, on nous dit et eux aussi, ils ont des choses à dire. Et ils ont l'impression que les politiques parlent, mais ils n'agissent pas. Donc, c'est pour ça que nous avons créé des ateliers thématiques pour pouvoir les accompagner. Donc, nous avons fort à faire. Nous ne sommes pas dans la polémique. Donc, fort à faire, et vous avez budgétisé tout ça. Comment ? Vous avez budgétisé tout cela ? Ben, voilà. Donc, nous sommes avec... un colissier qui est avec nous, donc c'est lui qui s'occupe effectivement de budgétiser tous ces projets, tous ces programmes et de voir les accompagnements, parce qu'on ne pourra pas seul. Donc on va solliciter les institutions. Est-ce que vous irez jusqu'au bout, Madame Passé-Coutrin, puisque la commune est en difficulté financière? Oui, mais la commune est en difficulté financière, mais en partenariat avec les associations, vous voyez. Donc on fait toute une demande, on fait toute une démarche avec les associations pour pouvoir les aider, parce que vous savez quand même, il y a des associations sur un but non lucratif. Donc, ils sont prêts aussi parce qu'on appelle, on est beaucoup en réseau, on appelle et on trouve aussi des partenaires qui aident les jeunes, les personnes à pouvoir monter les dossiers et constituer les dossiers. Donc, nous avons des tenants et nous avons des aboutissants aussi. Il faut réorganiser le transport, parce que vous savez qu'une ville peut se développer qu'avec le transport, parce qu'à Marie-Galante, vous savez, nous sommes privés de liberté. Ça, c'est vrai. Je crois que nous avons un conseiller départemental. Vous savez qu'il faut vraiment accentuer ce problème de transport, parce qu'il y a certaines personnes, c'est tous les 15 jours qu'ils arrivent à sortir de chez eux. Je crois que l'infirmier en a parlé. Je pense qu'il doit aussi toucher du doigt ce problème à Marie-Galante. Donc, en même temps, ça empêche la ville de se développer. Réorganiser le transport avec qui ? Ben, écoutez, vous savez que quand même, il y a la communauté des communes, il y a le département. Donc, je crois que ce sont des gens pour parler, pour pouvoir développer le réseau sur Marie-Galante. Alors, nous nous engageons à ne pas augmenter les impôts, parce que la population est déjà saturée. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Nous avons quand même des personnes qui arrivent au seuil de la pauvreté et qui sont déjà pauvres. Donc, nous nous engageons à ne pas augmenter les impôts. Comment pensez-vous faire alors pour redresser les finances communales ? Écoutez, nous allons déjà partir du principe. Sous des projets courts, c'est-à-dire que tout de suite, qu'est-ce que CNU a besoin ? C'est clair qu'il faut faire un diagnostic, il faut faire un audit, il faut regarder sur du long terme qu'est-ce qu'on est capable de produire et sur du court terme qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiateté. Dans l'immédiateté, il faut réorganiser, il faut redynamiser, il faut impulser une énergie fraîche et nouvelle sur la commune de Saint-Louis en partenariat avec toutes ces associations. Ben, pourquoi pas mettre des animations ? Faire participer les associations, parce que vous savez, il faut créer ce dynamisme. La commune est endettée, mais écoutez, nous sommes là, nous sommes vivants.
C'est vrai que j'entends des cris d'alarme, mais il ne faut pas aller en politique. Il faut se dire que tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a l'espoir, on va se battre pour notre commune. Il ne faut pas être trop défaitiste. Moi, je ne suis pas avec l'association, avec nos partenaires, avec aussi l'équipe. Nous projetons sur du positif et sur de la concrétisation. Non, je ne suis pas d'accord qu'on parle de Saint-Louis en termes comme si, voilà, on baisse les bras, on n'agit pas. Non, on va impulser. Nous sommes dynamiques, nous sommes prêts et nous allons nous battre. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc, vous avez bon espoir de pouvoir redresser. Mais nous allons réussir, nous allons nous en sortir. Je pense que s'il y a des candidats sur le plateau, ben sinon, ce n'est pas la peine de s'investir en politique. C'est que nous avons des solutions, nous avons des stratégies, nous allons les mettre en exergue. Vous avez cette possibilité de pouvoir trouver de nouvelles recettes? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que je pense qu'on vous a tellement donné sur la commune de Saint-Louis que vous avez l'impression que c'est désespérant, même si c'est une commune qui est redressable. Mais il faut toujours donner des moyens, il faut aller frapper, il faut s'en sortir, il faut trouver des solutions d'aide, solutions d'urgence. Merci Camille Pélage. Donc, même question, que proposez-vous à votre population? Déjà, effectivement, de passer du jeu au nous, et je remercie Enorzigo d'avoir répondu à la remarque de François Navis sur le jeu ou le nous. Je n'ai jamais fait de ma candidature tête de liste comme étant un préalable à quoi que ce soit. Merci Enor de l'avoir fait, même si après il y aurait des choses à corriger. Maintenant, je vais vous dire effectivement aux propositions. Nos propositions, en fait, tiennent compte de notre expérience. Depuis maintenant près de 35 ans, je suis sur ma garante et je travaille sur ma garante. En fait, premièrement, d'une équipe. Une équipe composée d'hommes et de femmes sous les critères de compétence, d'expérience et d'engagement. Mais d'engagement réel, pas d'engagement supposé. Ce sont des gens qui sont déjà acteurs sur le terrain et que l'on voit. Qu'ils aient été effectivement dans l'équipe municipale, et c'est vrai qu'il n'y en a pas 36, il y en a un. Il y en a un seul qui est dans, sur les 21, il y en a un seul qui est dans l'équipe, qui a été dans l'équipe municipale. Et ce n'est pas une tare d'avoir passé un moment de sa vie dans une équipe municipale. Et je pense que c'est même honorifique. Maintenant, dans une équipe renouvelée et dans un projet renouvelé, on travaille ensemble, par contre, avec un impératif, que personne ne vienne là pour un poste. Et c'est ce que nous avons fait. Une méthode. D'abord, effectivement, on s'est regroupé, on a échangé, j'ai cherché à rencontrer des gens avec qui on pouvait avoir des affinités. Et puis on a fait un programme. Mais pas un programme pour ni Caroline Lamain, ni Alpensiel. Un programme, en fait, qui tient compte de la réalité des 6 millions, 7 millions de déficits qu'on va trouver. Et puis se dire, mais comment on va faire et sur quoi on peut s'entendre. Et dans cette méthode, une fois qu'on est cohérent, on est soudé, on va voir la population. On fait du porte-à-porte, on fait des réunions de quartier et on essaie de voir est-ce que ce cahier de réflexion, qu'on a appelé cahier de réflexion, est-ce qu'il emportait l'adhésion? Parce qu'on disait aux gens, voilà, c'est ça qui va être le contrat entre vous et nous. Est-ce qu'on est d'accord? Ils ont validé. Ils ont validé ce cahier de réflexion qui est donc devenu notre programme, notre cahier de route. Ensuite, il a fallu... Les priorités sur ce cahier de réflexion. Mais la méthode est importante parce qu'après, on peut dire faire n'importe quoi. Ensuite, il y a 6 axes. Et effectivement, énorme. Ce n'est pas quand on coupe la tête de la collectivité en enlevant les cadres qu'on va résoudre le déficit. Au contraire, c'est bien le contraire. Il faut un DGS. Et le poste de DGS est dans le budget. Il faut un directeur administratif et financier. Par contre, nous disons, nous, que nous n'allons pas embaucher un directeur de cabinet. On va prendre un directeur. Donc, on fait des choix à l'intérieur d'un budget. Parce que la priorité va être effectivement, de mieux gérer les ressources. Dans les ressources, on y met le personnel. Et d'aller à la quête de recettes nouvelles, notamment faire payer les voiliers et quelques services publics qu'on peut faire payer. Voilà. Et en fait, quelques services au public, pas des services publics, mais des services au public. Parce que les usagers peuvent payer un certain nombre de choses. Ensuite, il y a cette fantastique, et je suis d'accord avec Mme Passé-Coutrin, la commune de Saint-Louis a un potentiel extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est là que le cœur du bourg. Par contre, on ne peut pas tout faire parce qu'on n'a pas vraiment les moyens. Maintenant, on se propose, avec les commerçants, dans la discussion qu'on a commencé déjà, de faire en sorte que le bourg de Saint-Louis vive et qu'il y ait les commerces qui se sentent accompagnés et qu'un certain nombre de choses peuvent se faire, effectivement. En ma qualité, par contre, de vice-président du conseil régional, je vois les choses. Nous faisons le cœur de bourg de Capesterre-Belleau. Maintenant, la seule chose qu'il y a, la région n'est pas supérieure à la commune. Si le maire n'est pas dynamique,
il vous dit oui ou il vous dit non. Vous ne pouvez pas lui imposer quoi que ce soit. La HLP, ça fait 3 ans que 1 800 000 euros est bloqué. Ce n'est pas un projet. La halte légère en autique de Plaisance, ce n'est pas un projet. C'est des travaux bloqués. Alors que si j'avais un peu plus de... Justement, mais un peu plus proactif, on n'est pas dans la compétition avec un conseil départemental, un conseil régional. On est dans la co-construction. Et puis, Saint-Louis... Dernier point. Saint-Louis... Non, mais il y a 6 points. Dernier point, Camille Pélage. Saint-Louis, c'est une cité bannière. Mais je reviens... Alors, je saute le truc pour parler de l'intercommunalité et du transport. Dans notre équipe, on ne fait pas que le dire. Nous avons pris un spécialiste du transport, qui est Marie Galantin, qui est un Saint-Louisien, qui est là depuis un moment, et qui dit, mais j'ai fait ça pendant 42 ans, les gars. J'ai créé des lignes, je sais faire. Ah ben, on l'a intégré. Et c'est ça aussi, c'est passer du dire au faire à l'application. Et c'est ce que nous proposerons à la population. Le programme est disponible, effectivement. Ils peuvent le consulter. Merci. Jean-Luc Nago. Donc, je vais rebondir sur ce que Camille Pelage... Je fais juste une parenthèse. J'ai discuté avec la personne qui est sur ta liste. Je lui ai fait la remarque que la ligne ne sera pas rentable du fait du déclin démographique. Ça ne va pas être possible, Camille, parce qu'il n'y a personne à Marie-Galante. Il faut faire d'abord revenir la population. Et moi, ce que je propose de mettre le foncier à disposition des porteurs de projets. C'est-à-dire que pour créer des entreprises, parce que traditionnellement, dans notre culture antillaise, hein, je ratisse large, on nous a toujours donné une culture de fonction publique. On ne nous a jamais donné une culture d'entrepreneur. Donc, moi, ce que je propose, c'est de mettre le foncier à disposition des porteurs de projets. Ils financeront, l'Union européenne financeront 70 à 80%. Il y a combien de fonciers de disponibles? Il y en a pas mal. Il suffit d'aller sur le cadastre, vous allez voir, c'est marqué commune de Saint-Louis. Il suffit d'y aller, vous allez voir. Il y a les dents creuses, d'abord, que nous allons exploiter, en tout premier lieu. Régulariser les gens, parce que énormément de personnes qui habitent à Saint-Louis ne sont pas propriétaires de leur maison. Donc ça, c'est un problème. Alors comment les régulariser? La commune va leur donner, exactement. Leur donner les terres? Leur donner les terres, bien sûr. Ils sont là depuis 20-30 ans. Il faut les régulariser. C'est quelque chose qui me semble viable. Parce que lorsqu'on est, on peut récupérer un terrain avec un titre de trentenaire. Ça se fait. Nous avons des problèmes d'indivision. Il va falloir les régler. Parce que ce que la majorité des gens n'ont pas compris, que lorsqu'une terre est en indivision, au bout de 30 ans environ, ça tombe dans le domaine public. Donc, ils ne sont plus propriétaires. C'est l'État qui devient propriétaire. Et ça, les Saint-Louisiens n'ont pas vraiment compris ça. Parce que développer une commune sans tenir compte du foncier, ce n'est pas possible. Donc, nous allons mettre le foncier à disposition. Nous avons un projet de Alzheimer. Nous avons un projet de maison de santé. La maison de santé, nous le ferons soit public. Je sais que les financements publics sont très difficiles à trouver, ou privé. À partir du moment que nous trouvons le financement, parce que tous les matins, le bateau est rempli de personnes qui partent pour se faire soigner en Guadeloupe. Donc, il faut essayer de maintenir les gens sur place. Comment faire rentrer des recettes au sein de la commune? Nous allons mettre les locations des bâtiments publics pour mettre des panneaux photovoltaïques, par exemple. Monsieur Pelage l'a rappelé, les bateaux, nous allons développer la plaisance. En contrepartie, il y aura des péages à payer, il y aura des taxes de séjour. Il va falloir, parce que, par exemple, pour le festival à Marie-Galante, la baie de Saint-Louis est remplie de bateaux et personne ne paye rien et les gens jettent leurs déchets. Donc, il va aller chercher les financements. Et ça, je ferai confiance au conseiller général que M. Pelage. Régional, autant pour moi. Donc, j'espère quand même demain, si l'un d'entre nous est élu, que les deux conseillers régional et départemental aideront leur commune s'ils aiment tant leur commune. Voilà. Et donc, nous allons préserver l'environnement, parce que c'est extrêmement important. Par exemple, la chasse aux crabes, les gens chassent les crabes toute l'année. Donc, il va falloir mettre une période de chasse pour préserver la ressource. Les crabes? Les crabes, les crabes de terre. Ça sera compliqué, hein, pour pas que... Il va falloir faire venir les jeunes, discuter avec eux, comment nous allons procéder, avec l'ONF, avec les affaires maritimes aussi, parce qu'il va falloir protéger la mangrove. Il y a tout un système qu'il faut mettre en place. Concernant les impôts, qu'en pensez-vous? Je pense que nous payons déjà trop d'impôts. Le contribuable, c'est simple.
Comment ? Il va falloir baisser les impôts. Il faut baisser les impôts. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut mettre le foncier à disposition, créer des entreprises. Ces entreprises-là, s'ils ont la possibilité d'embaucher, il faut qu'ils embauchent d'abord les Saint-Louisiens. Alors, baisse d'impôts, mais don aussi du foncier, pas vente de terrain. Nous mettrons le foncier à disposition. D'accord. Bien évidemment, il y aura des carrefours, il y aura des conditions, parce que quelqu'un qui arrive, la personne va bénéficier des subventions de l'Union européenne et au bout de 5 ans qu'ils partent, non. Il y aura forcément des garde-fous, il y aura forcément des conditions. D'accord. Maintenant, Martyr Nago. Alors, bien entendu, une fois qu'on n'est pas à la commande, on a beaucoup d'idées. Mais ce ne sont pas les idées qui manquent à Saint-Louis, parce que si nous sommes là, c'est parce que nous voulons que notre commune se développe. Vous en avez beaucoup aussi d'idées ? Nous avons tous des idées. Donc, c'est vrai, il ne faut pas regarder seulement du déficit. On doit s'engager à ce que Saint-Louis retrouve sa place de noblesse. C'est vrai qu'on ne peut pas administrer une commune sans un directeur de service. C'est vrai qu'on ne peut pas administrer une commune sans un directeur financier, parce qu'il faut des cadres dans une collectivité pour mener à bien les destinées de la commune. Je crois que depuis mon arrivée au conseil départemental en 2015, je n'ai pas démérité à venir en aide à la commune de Saint-Louis. Et c'est vrai que quand 2016 est arrivé, j'ai fait augmenter le FAC communal, en dehors de la dotation globale de fonctionnement, en dehors de l'apport de la région dans le fonctionnement, le conseil départemental, par le FAC communal, j'ai demandé à ce que le conseil départemental puisse augmenter sa dotation. Ça a été fait, mais c'est en fonction de la population que ça a diminué au fur et à mesure des années. Nous devons inciter dans mon groupe, nous devons inciter aux entreprises à venir s'installer à Saint-Louis, parce que on a cette possibilité-là de développement au niveau de la mer, de développement au niveau de l'agriculture et de développement au niveau de la commune. Mettre en place un contrat d'objectifs et de moyens avec l'État, région, département. Et favoriser et harmoniser le développement du territoire de Saint-Louis avec la communauté des communes. Et aussi faire participer activement les Saint-Louisiens au développement et à l'épanouissement de la commune, parce que nous sommes des élus en responsabilité. Il faut savoir que la population, on ne peut pas demander non plus trop à la population, mais la population est là pour accompagner, parce que la commune ne peut pas tout faire. Ça ne se faisait pas avant. L'entraide, c'est parti. C'est parti. C'est vrai qu'avant, l'entraide était d'un commun accord. Hein, et aujourd'hui, non. Il faut que les Saint-Louisiens soient plus solidaires qu'avant. Et il faut également amorcer un développement économique par l'attractivité du bourg, améliorer les dents. Nous disons tous les mêmes choses. Et c'est trouver les voies et moyens pour améliorer chaque jour la condition de vie de la population. En fait, vous irez dans une continuité ou vous... Je ne suis pas dans la continuité, je suis dans le développement même, parce que je suis acteur du développement, parce que je fais investir le département sur le territoire de Saint-Louis. Merci. Donc, à vous, M. Navis. Bien. C'est vrai que nous partons d'une autre conception, d'une autre idée. Une idée novatrice, des idées novatrices. Je ne veux pas reprendre ce que disait M. Nago, Martyr, mais tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde veut que le bourg soit redynamisé. Mais c'est quoi redynamiser le bourg ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? D'autant plus que nous sommes, même si on n'en parle pas, et c'est pas, il ne faut pas y rester toute la vie, mais il est vrai qu'il y a une situation budgétaire et financière, il faut bien en tenir compte. Donc les idées nouvelles que nous apportons doivent permettre le développement, une animation, mais sans que cela ne coûte trop cher.
Et c'est ainsi qu'on viendra que d'autres entreprises viendront, d'autres activités viendront. Mais quand je dis des entreprises, je ne parle pas des entreprises, des entreprises à 50 personnes. Il se peut tout simplement que nous offrons la possibilité, une opportunité à un jeune de créer sa petite affaire. Bon, je prends un exemple très simple. Voilà une activité qui marche relativement bien en Guadeloupe. La vente d'eau de coco. Il y a des cocotiers à Guadeloupe, à Saint-Louis notamment. Une activité, dès lors qu'il y a du monde qui vient, il y a du monde de passage, des gens achètent de l'eau de coco. Ça peut permettre à quelqu'un, non pas peut-être de vivre, de nourrir sa famille, ce qui est possible ici, mais ça peut permettre à quelqu'un d'améliorer son niveau de vie. Donc, nous venons donc pour un redressement économique, social, humain et écologique de la commune de Saint-Louis et aussi de Marie-Grande, puisqu'il faut préciser que la situation budgétaire de la communauté des communes n'est pas non plus terrible, terrible. Ça n'existe pas, Marie-Galante, des vendeurs d'eau de coco? À ma connaissance, non. Oui. À Saint-Louis, à Saint-Louis, à Saint-Louis. Je parle. D'accord. Je parle à Saint-Louis. Je parle à Saint-Louis. Marie-Galante, on sait ça. Je parle à Saint-Louis. Il est où? Il est où? Il y en a deux. Il est où à Saint-Louis? Non, mais il est où à Saint-Louis? Il y en a pas à Saint-Louis. Eh bien, voilà. Il coupe à Beaubourg et il livre à Saint-Louis. Je parle de Saint-Louis. Nous sommes candidats à des élections municipales à Saint-Louis. Mais il vendra à Saint-Louis. Bon. D'accord. Ceci étant, donc, notre objectif, c'est ça. Consistait à développer des activités nouvelles, mais au niveau de la culture, faire investir au niveau de la culture, au niveau de l'éducation, pour que Saint-Louis soit une ville culturelle. Il nous faut, nous avons des idées pour créer des événements qui font que des gens viendront à Saint-Louis. Et c'est à partir de cet afflux de touristes, d'accord, mais aussi de Saint-Louisiens qui reviendront, c'est à partir de là que nous allons créer de l'activité pour les gens. Alors, Dernier point, mais il y en a un tas d'autres. Oui. Au niveau de la gouvernance communale. Au niveau de la gouvernance communale, c'est vrai qu'il faut, bien sûr, un personnel communal suffisamment encadré. Mais cela va au-delà de l'encadrement du personnel communal. Il faut que l'équipe municipale qui soit en place puisse responsabiliser aussi bien le personnel que les élus qui constitueront l'équipe. Responsabiliser, contrôler, déléguer et travailler ensemble. C'est Merci. Ça notre objectif. Merci. Donc, dans l'innovation en matière de gouvernance. Merci. À soutenir Monsieur Zigo. Monsieur Zigo. Ah, c'est lui. C'est la région. Nous y allons, Monsieur Zigo. Oui. Je vois que Monsieur Pélage parle de la région d'une certaine manière, mais jusqu'à présent, je n'ai rien vu ce que la région a pu faire pour nous à Saint-Louis. La route de Démarré, les trottoirs de l'Essauce, le rallye des yeux du soleil, l'arrivée du numérique, 10 millions d'euros quand même sur le cap. C'est pour toute Marie-Galante. Camille, excuse-moi, je suis infirmier, nous avons un enclavement numérique. Là où j'habite, je n'ai pas de réseau. Les bas, il n'y a pas de réseau. Et c'est un gros problème pour les entrepreneurs. Le cap est arrivé, les gars, il faut quand même habiter Saint-Louis. C'est 10 millions d'euros, ça a été inauguré, ça fait même pas un mois. Nous savons que ça a été inauguré, ça ne fonctionne pas. Le déploiement, c'est 84 millions sur 15 communes de Guadeloupe. Ça ne fonctionne pas, Camille, je suis désolé. Je suis en réunion tout à l'heure, donc dans l'après-midi, je suis en réunion avec les délégateurs du service, parce qu'on va faire parfois lié. À ta sortie de la réunion, Jean-Luc aura du réseau. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça la question. Il y a 84 millions. On a jusqu'à 2022 pour résoudre les zones blanches. Les gars, vous êtes des responsables. Alors, ça se fait, c'est en cours. C'est en cours, c'est quand même un effort important du Conseil régional pour Marie-Galante, contre l'avis de l'Europe, contre l'avis de l'Europe. Ça a un impact sur mon cabinet, Camille. C'est-à-dire que l'enclavement numérique a un impact sur mon cabinet. Quand c'est pas fait, c'est moi. Je ne suis pas le seul. Quand c'est fait, c'est pas moi, c'est ça. Merci. Je ne suis pas le seul. Alors, Monsieur Zigo, s'il vous plaît, nous allons reprendre. Nous allons débattre de l'abattoir. Il va falloir qu'on débatte de l'abattoir. Oui. Parce que l'abattoir, c'est 50 000 euros d'études mis par la région pour refaire. Et aujourd'hui, c'est un engagement de 3 400 000 euros de la région. Et là, j'ai Monsieur Navis. Monsieur Zigo, vous avez la parole. Mais il faut être sur le terrain pour savoir ça. Allez-y, Monsieur Zigo. Vous voyez, encore une fois,
S'il vous plaît. Vous voyez, je trouve ça impoli de votre part de m'avoir interrompu. Quand vous parlez, je vous laisse parler gentiment. Je reste très studieusement à vous écouter. Soyez un tout petit peu poli parce que ça fait un peu désordre. On est à la télé que la population nous voit en train de faire ça. Je dis que pour l'instant, nous ne voyons pas ce que le conseiller régional fait pour nous. Il nous parle de Capesterre-Belo. C'est bien. Maintenant, ce sont les propositions. Il vous reste très peu de temps, M. Zigo. Alors, allez-y. Si nous parlons de propositions, mon équipe et moi, nous venons avec une vision parfaitement claire sur la situation de la commune. Et avec un projet ambitieux, sérieux, structuré, équilibré, qui s'articule autour de 12 thématiques. Vous nous en citez deux. Je vous en cite deux. Le social et la jeunesse. La jeunesse, car nous devons faire tout mettre en œuvre afin de permettre à notre jeunesse, et je dis la jeunesse très qualifiée, de revenir sur l'île. De revenir sur l'île. De faciliter l'emploi pour la jeunesse. Et quand je parle de social, je sais qu'il y a des soucis au niveau de ma population socialement. Je vais en terminer sur cela. Je souhaite à ce que la commune de Saint-Louis puisse redevenir la belle et authentique commune que nous avons connue. J'entends des gens dire à X et à Y qui n'habitent pas Saint-Louis, qui ne sont pas Saint-Louisiens. Je dis que nous n'allons pas dans cette direction-là. Parce que s'il faut y aller, il y a beaucoup à dire concernant tous ces gens-là. Oui, dernier mot. Je sais que M. Navis n'habite pas sur l'île. Il vient, il repart le vendredi, ce qu'a dit mes collègues. Mais il ne faut pas aller dans cette direction-là. Nous sommes des hommes et des femmes politiques. La population attend autre chose que ça. Parce que si on regarde bien, M. Pélage n'est pas Marguerite Lantrée pour le moment dit. Il merci. Monsieur Pélage est né en Guadeloupe et venait à Marie-Galante en vacances. Mais je suis pour que d'accord. Marie-Galante, quelle que soit l'origine, non, monsieur encore une fois, vous voyez, ça s'appelle, c'est très impoli ce que vous faites. Merci messieurs. On va prendre quelques minutes rapidement. Pour cette dernière partie, Madame Passé-Coutrin, qu'est-ce qui vous différencie concrètement des autres candidats qui sont sur le plateau? Mais écoutez, nous venons avec une vision différente. Vous avez vu quand même, en m'exprimant et en vous présentant nos projets et notre vision, que c'était une autre vision. Nous sommes vraiment dans l'objectif parce que nous aimons Saint-Louis. En tant que femme engagée, déterminée et intègre, vous savez, c'est de la visibilité du candidat. Tu veux dire que les autres n'ont pas d'intégrité? Non, en fait, je suis en train... Non, vous voyez? C'est-à-dire en tant que femme intègre. Voilà, je suis... Je pense qu'en 2014, M. Pélage, il a su reconnaître aussi en moi ses qualités. Donc, voilà, il pourra aussi en témoigner. Donc, voilà, je suis dynamique, déterminée, j'aime Saint-Louis. Donc, il ira dire voter voilà, pour Mme Passé-Coutrin. Oui, tout à fait. Je ne pourrais pas en dire autant de lui. Mais lui pourra aussi en témoigner, dire vraiment comment je me suis comportée en 2014, où j'étais vraiment intègre et je continue à l'être. Donc, voilà, ce que je vous dis, c'est que je suis une femme engagée, la seule femme dans cette élection municipale, la femme qui est à l'écoute, la femme qui aime les Saint-Louisiens, la femme qui aime aussi les autres candidats, parce que c'est une action d'amour, parce qu'ils sont aussi Saint-Louisiens à part entière, qu'ils soient nés en Guadeloupe, Martinique ou autre, ils vivent à Saint-Louis pour la plupart, ou sinon ils participent au débat. Donc voilà, je vous dis ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire que vous avez aussi une candidate pacifique. Et pour pouvoir endosser ce rôle de maire, et je serai maire en
le 15 mars, la population va me porter suffrage parce qu'ils voient déjà la différence, la compétence et l'intégrité. Merci. Alors, Monsieur Zigot, qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats? Alors, ce qui me différencie des autres candidats, c'est mon projet, le projet que j'ai mis en place avec mon équipe. Parce qu'après avoir rencontré la population, nous avons décidé de mettre un projet en place et qui tiendra compte de tous les besoins réels de la population. Merci. Maintenant, Camille Pélage. Donc, ce qui va me différencier, bon, c'est que j'ai jamais quitté le territoire en termes d'action et qu'en termes d'inclusion, nous voulons travailler avec... D'ailleurs, nous créons un comité de quartier dans l'Hexagone, un en Guadeloupe, un, bien sûr, et 10 à Marie-Galante, pour que tous les Marie-Galantais puissent avoir la parole, quel que soit leur habitat. Et nous avons un programme réaliste, pragmatique, et qui tienne compte de toutes les potentialités dans notre territoire. Et nous avons associé, d'ailleurs notre équipe en est le symbole, des Marie-Galantais de tout horizon. Merci. Monsieur Navis. Bien, ce qui nous distingue essentiellement des autres propositions, hein, c'est la façon à laquelle nous avons procédé pour constituer cette équipe et pour constituer aussi, pour réaliser le programme que nous soumettrons au Saint-Louisien prochainement. Nous n'avons pas réfléchi nous-mêmes avant et aller leur soumettre. Nous sommes passés voir les Saint-Louisiens dans les quartiers, voir ce dont ils rêvaient, ce dont ils voulaient, et sur cette base-là, nous avons tenu compte des réalités de la commune pour constituer une équipe commando pour sortir Saint-Louis de l'endroit où il est, de façon à ce que, lorsqu'on est dans cette situation, nous sommes conscients qu'on n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'élèves en médecine, d'étudiants en médecine, on a besoin de médecins confirmés, de médecins qui soient tout de suite opérationnel. On ne viendra pas à la commune de Saint-Louis dans une municipalité future pour se donner le temps d'apprendre. Il faut être efficace, il faut être opérationnel. Et nous avons une équipe opérationnelle. C'est ce que nous allons démontrer, notamment au cours de cette campagne qui va s'ouvrir. Merci. Jean-Luc Nago. Donc, nous avons une équipe nouvelle. Nous n'avons jamais participé à une élection municipale. Je crois de toute façon que nous ne pouvons pas faire pire qu'actuellement. Donc nous sommes totalement une équipe neuve. La commune a plus de 6 millions 4 de déficit, et nous on l'a rappelé. Donc il va falloir moduler, il va falloir travailler. Donc dans mon équipe, nous sommes une équipe intergénérationnelle. Nous avons des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées. Donc, je pense que nous allons y arriver parce que, compte tenu de la situation comptable de la commune, on ne peut pas faire pire. Donc, nous allons partir d'un bon pied, partir en avant, essayer, parce que M. Navis l'a dit, mais il va falloir essayer quand même, parce que même si on dit il faut des médecins, il ne faut pas des étudiants en médecine, non, la commune a 6 millions 4 de déficit, il va falloir régler ce problème de déficit si nous voulons stopper le déclin démographique. Merci. Martin Nago. Je suis un homme de conviction avec une vision pour Saint-Louis, avec des femmes et des hommes qui connaissent le territoire, et nous sommes en capacité de mener à bien un projet de développement économique avec les collectivités majeures, avec l'État, avec la communauté des communes, parce que le développement économique passe par la communauté des communes dans le cadre de l'aménagement du territoire et de la commune de Saint-Louis. Donc je dis à la population de Saint-Louis, vous pouvez nous faire confiance, une équipe dynamique, des hommes et des femmes qui sont répartis sur le territoire de Saint-Louis. Donc, votez pour nous, parce que vous ne serez pas déçus. Voilà. Vous avez un petit peu de temps encore. Donc, c'est ce qui vous différencie Par rapport à la proximité avec la population, par rapport, nous sommes des gens
qui se sont déjà engagés, qui sont en capacité de prendre la destinée tout de suite et mettre la mécanique en marche pour améliorer. Vous avez l'expérience que les autres n'ont pas? J'ai beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup appris, j'ai compris beaucoup de choses. Et comme ils ont dit, hein, je prends le jargon que le monde agricole utilise, Renala, tenir Renan pour la Ila, en rester à Daï pour y opater, manger ces îles-là et tuer ces poules-là. C'est pour s'en rester. Voilà. Merci, Martyr Nago. Merci, merci, madame. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. De toute façon, vous aurez à charge de poursuivre au niveau de la population saint-louisienne afin de convaincre les électeurs. En tout cas, je vous souhaite une excellente campagne. Merci. Merci. Voilà donc pour cette... Marie Galante, nous nous retrouvons demain avec une autre commune. Excellente soirée à tous.